Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et on se retrouve aujourd'hui dans la bêta de Dragon Ball FighterZ. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Donc petite découverte pour moi en ce qui me concerne. Alors, tu te trouves actuellement dans le Hall FighterZ, centre de Dragon Ball FighterZ, d'où tu peux accéder aux différents modes de jeu. Donc voilà, savoir que le jeu il sort en fin de mois, donc d'ici quelques jours. Dans cette bêta ouverte, tu peux essayer différents modes en ligne à partir d'ici, d'accord. Voilà qui conclut les différents modes disponibles dans cette bêta ouverte. Avec plein d'autres modes présents dans la version finale du jeu, il y aura fort à faire dans Dragon Ball FighterZ. Ah zut, j'allais oublier, tu te trouves dans le corps de Son Goku pour l'instant, mais tu peux changer de personnage depuis le menu pause. Lorsque tu te trouves dans le hall, il y aura encore plus de personnages dans la version finale du jeu, alors j'espère bien t'y revoir. Ok, donc le menu... Info, personnalisé, c'est peut-être ça... Alors, sélectionner ton personnage. Ah, petit Vegeta. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Piccolo, Freezer, en forme finale. Ah, c'est cool, on peut changer la couleur. C18. Ah, cool, en rouge, c'est classe quand même. Bien. Bien, bien, bien. Krillin. Ouais. Cell parfait, Bou, ok, Nappa, d'accord, Sangohan adulte, ouais, Beerus, je sais pas comment on prononce son nom, Vegeta, ah oui, hein, on y va, maintenant on va choisir une autre couleur pour rigoler un peu, ça c'est pas mal ça, allez, c'est parti. Ah voilà, j'ai mon petit Vegeta, ça c'est bien ça. On est content. Alors c'est quoi ça? C'est l'entraînement ça, d'accord. On va quand même regarder, voir. C'est quoi ça? Rediffusion. Ouais. Le combat mondial. Ouais. Et là, c'est quoi les classements, d'accord. C'est rigolo la façon de se promener quand même. Et ça, c'est... D'accord. Les combats d'arène. Mais on peut ou pas... Non, on peut rien faire. Non. Bon. Bon, la musique est plutôt sympa, hein, dans l'esprit de Dragon Ball. Alors... Bon, vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu d'entraînement, en fait. C'est ce qu'on va faire. Comment on fait pour valider l'entraînement? Accueil entraînement. Voilà, commencer le didacticiel de combat. Mode d'entraînement, tu peux y affûter tes talents au combat. Choisis l'exercice que tu souhaites pratiquer. Entraînement, didacticiel de combat ou défi combo. Ouf. Bon. Voilà. Alors, commençons. On va choisir un peu n'importe quoi, hein, je pense. Allez, entraînement commence. On va choisir ça directement. Comme ça, ça va vous permettre de voir les premières mécaniques du jeu. Son Goku contre C16. Donc ça c'est bien.
Non, déjà c'est super beau quand même, hein. Là, ça c'est ok. Tiens, voilà. Donc ça, je sais déjà. De toute façon, les coups de base comme ça, je les connais un petit peu déjà. J'ai pas trop envie de faire ce qu'il dit pour l'instant là. J'ai envie de. Alors, hop, hop. Tiens, hop là. Et voilà. Bon, le KBA c'est simple, un petit quart avant avec le bouton croix et puis. Alors. Voilà, il faut juste avancer, reculer. Tiens! Et voilà! C'est vachement dynamique, vraiment. C'est vachement dynamique, hein. Franchement, c'est bien animé, c'est super beau. Waouh! Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment. C'est vraiment un très très bon jeu. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, tiens, on a qu'à essayer ça. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais mais non, je vais vous le dire après. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise pas du tout Vegeta, alors que il me semblait que je devais l'utiliser, mais ou alors c'est uniquement dans le hub. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ah, dommage. Tiens. Il a pas volé celle-là. Alors. Bah là pourtant j'ai l'impression de le faire là. Ça valide pas. Tiens. Oh c'est pas grave, on va faire autre chose. Tiens. Oh joli. Tiens. Paf. Oh joli. Merde, ça marche pas. Et voilà. Oh là là. C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux quand même. Ah, c'est sympa. J'aurais quand même bien voulu voir ce que ça donnait avec Vegeta, mais si je suis choisi dans le hub et que je peux pas l'utiliser là, c'est que enfin moi je pense qu'on peut pas, hein. Jouer avec. Et je vais partir de l'entraînement pour voir. Ah bah non, c'est bien ce que je disais. Voilà, c'est bien ce que je disais. En entraînement, on peut pas choisir notre perso en fait. Bon, donc là je vais y retourner. Voilà.
Du coup, c'est quoi ça? Bon, en tout cas, je pense que je vous ai quand même déjà montré beaucoup de trucs, hein. Enfin, quand je dis beaucoup, je compte pas faire une grosse vidéo. C'est surtout montrer vite fait avant que le jeu sorte. Voilà. Bon, c'est qu'une bêta, mais bon, de toute façon, vu que le jeu sort dans pas longtemps, le jeu est forcément terminé, donc. On sent que le jeu est terminé parce que franchement ça répond très bien, je vois pas de bug particulier, c'est super 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 beau vraiment. Comment on fait ça? Effectue une charge aérienne en sautant. Attends. Ouais bah peu importe hein, c'est bon ça me... Tiens. Ah d'accord. Oh la classe. Oh oh, la classe quand même. Bon, le truc, la charge aérienne en sautant, on s'en fout, on va pas le faire. On est là pour s'amuser, hein. Allez, tiens. Pouya. Oh là là. C'est magnifique. Tiens. C'est bien parce que les commandes sont à la fois simples et ça semble très technique en même temps, et j'apprécie beaucoup. Et voilà. Oh 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 oh, excellent. Allez, tiens. Vraiment sympa. Voilà, très très sympa, je sais pas. Très très sympa. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, pour cette bêta, vous venez de vous rendre compte que franchement c'est super stylé, c'est vraiment très très beau, très bien animé, vraiment excellent, vraiment excellent. C'est vraiment un jeu que je, comment dire, ça faisait vraiment des années, depuis tout petit que je rêvais d'avoir un jeu Dragon Ball Z digne de ce nom, avec un système de jeu équivalent à Street Fighter ou même encore King of Fighter. Mais là c'est super, non seulement super beau, mais c'est très 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 fluide, bien animé, c'est dynamique, ah, c'est très rapide franchement. Je suis vachement content quoi, et j'espère que le jeu final va nous apporter énormément de choses au niveau contenu et au niveau le jeu il a l'air d'être technique, même si c'est pareil, la prise en main est vraiment immédiate, donc du coup ça va intéresser pas mal de gens, aussi bien des novices que des habitués du stick analogue, hein. Que des habitués du stick arcade, pardon. Quoique le stick analogue aussi, remarquez, hein. Il y en a qui préfèrent jouer à la manette. Ah, franchement, si un jour je peux avoir un stick arcade pour la PS4, n'hésitez pas d'ailleurs, tiens. N'hésitez pas en commentaire si vous savez où trouver un stick arcade PS4.
compatible PS3 aussi, ce serait pas mal, parce que j'en ai un sur PS3 qui ne va pas du tout sur la PS4. Donc voilà, si vous avez l'occasion de me conseiller un stick arcade sur PS4, parce que j'ai pas trop le temps de regarder, donc n'hésitez pas surtout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de la bêta vous a plu. Et je vous souhaite à tous donc de profiter de votre jeu quand vous l'aurez. Moi je ne vais pas l'acheter tout de suite, hein, donc c'est pour ça que je me permettais de montrer une petite vidéo. J'ai profité de la bêta pour ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Vous aurez d'autres vidéos d'Hitman et d'autres jeux. Allez, merci à tous et à bientôt. Allez, ciao.